Jean-Michel Pillon, bonjour. Vous êtes directeur régional des douanes de Perpignan. On vous remercie d'accueillir Saint-Charles International dans vos murs, au siège du boulevard Kennedy à Perpignan. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous préciser les liens qui unissent Saint-Charles International et l'administration des douanes ? Alors oui, bien entendu. Les liens entre Saint-Charles et la douane sont très anciens. Je dirais qu'ils datent de la création du marché. À une époque où la douane avait des missions et rendait des services complètement différents d'aujourd'hui. Cette histoire est une longue histoire de complicité et de partenariat qui se développe d'autant plus aujourd'hui que, nous le verrons un peu plus tard, il y a des enjeux très forts en la question. Le tournant de 1993 a été déterminant avec l'ouverture des frontières intracommunautaires qui fait que maintenant, bien entendu, les marchandises sont libres en provenance de l'Union européenne, en particulier de l'Espagne pour ce qui concerne Saint-Charles. Mais les enjeux sont toujours très très forts puisque cette plateforme qui est le principal centre d'éclatement européen des fruits et légumes fait que la place de la douane est très très importante pour pouvoir dédouaner les marchandises originaires de pays extérieurs à la communauté européenne. 93 a été une révolution vraiment, l'année 93. 93, je suppose que pour Saint-Charles, mais pour nous indubitablement, a été un vrai changement, puisqu'il a fallu rentrer dans une logique communautaire et intracommunautaire qui fait que les frontières se sont déplacées, même si la frontière est là où se présente la marchandise. Donc Saint-Charles reste une frontière extra-communautaire pour les marchandises qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. D'accord, donc ça a été un nouveau challenge auquel vous avez été confronté. Les moyens qui ont été mis en œuvre pour y faire face ? Alors, les moyens qui ont été mis en œuvre, c'est qu'il faut surtout bien garder en tête et il faut là, je dirais, évacuer d'emblée trois idées reçues. Ce rappel historique nous fait voir que dans l'inconscient collectif, pour les opérateurs de Saint-Charles, pour tous les gens qui travaillent dans le dédouanement à titre général, avant la douane était pesante, la douane était une administration de contrôle, avant était une administration avec une réglementation très complexe et parfois une administration, je dirais, un peu à sens unique avec laquelle on ne pouvait pas vraiment discuter. Communément, on disait la douane a toujours raison. Un côté répressif un peu, hein ? Alors un côté répressif, et surtout dans un département comme les Pyrénées-Orientales, où la douane est très visible par ses douaniers en uniforme, au péage, sur les autoroutes, il faut bien comprendre qu'en fait la douane marche sur deux jambes. Elle a à la fois un côté répressif pour tout ce qui est grand trafic, crime organisé, je parle de là bien entendu des produits stupéfiants, des trafics d'alcool, de contrefaçon, de tabac, etc. Et la douane économique. Et aujourd'hui, il faut parler d'une douane économique, c'est-à-dire c'est une approche complètement globale de l'accompagnement économique des entreprises. Alors, à l'importation, on va faciliter beaucoup de choses, faciliter le dédouanement avec des procédures adaptées, on pourra y revenir un peu plus précisément après. Et à l'exportation, il y a un accompagnement à l'exportation, avec aujourd'hui des procédures adaptées, je dirais des kits tout en un qui permettent de favoriser l'évolution du commerce. Pourquoi ? Parce que la douane, en fait, dans cette logique-là, elle est à la fois comptable et responsable de la régulation des échanges au niveau intracommunautaire, au niveau de l'Union européenne. Elle est en même temps... Alors, régulation, c'est quoi ? C'est faciliter les échanges tout en maintenant un haut niveau d'efficacité dans les contrôles. Mais elle est aussi un élément de la compétitivité. Quand le dédouanement est rapide, quand le dédouanement est peu coûteux, forcément que la douane est un partenaire à la compétitivité de nos entreprises, en particulier à l'exportation. D'accord. Donc, vous parliez des procédures, des nouvelles méthodes de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien entendu. Alors là, il y a bien entendu tout un catalogue de mesures qui sont à disposition des opérateurs. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que pendant longtemps, et c'est encore vrai, je dirais, culturellement au niveau local, on voit la douane comme l'interlocuteur des professionnels du dédouanement, que sont les déclarants de douane, les transitaires. Ça aussi, c'est une image sur laquelle il faut lutter, parce que, en fait, la douane s'adresse à tous les opérateurs. Elle s'adresse aux professionnels du dédouanement, mais elle s'adresse aussi aux importateurs comme aux exportateurs. Elle s'adresse aux chargeurs, elle s'adresse aux logisticiens, elle s'adresse aux entrepositaires, parce qu'à chaque étape du dédouanement, il y a des procédures qui permettent, alors premièrement, d'abord, de bien trier les opérateurs dignes de confiance. C'est pour ça que dans les nouveaux outils, nous avons par exemple l'audit, avec un service régional d'audit à Perpignan ici, qui est compétent sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, qui permet de faire un audit global d'une entreprise afin de lui donner le plus de facilitation possible. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'elle est agréée, ce qu'on appelle l'opérateur économique agréé,
on facilite ces formalités, on priorise ces contrôles quand il y en a. Le taux de contrôle est beaucoup moins important. Il faut savoir aujourd'hui quand même que 98% des importations dans ce département ne sont pas contrôlées physiquement. Elles sont soit contrôlées de manière documentaire, soit contrôlées a posteriori. Donc on n'est pas une gêne à la fluidité du trafic. Mais la contrepartie, c'est que nous sommes dotés d'outils d'analyse de risque qui sont alimentés à la fois par toutes les informations que nous recevons de l'Union européenne, puisqu'on peut dédouaner n'importe quel pays de l'Union européenne aujourd'hui, et de nos propres informations sur la sensibilité de certains trafics, la sensibilité de certaines entreprises, la sensibilité de certains opérateurs. Ce qui fait que on a un effet ciseau tout à fait intéressant, c'est que le temps de dédouanement diminue, donc les coûts pour les entreprises diminuent, et en même temps, l'efficacité de nos contrôles augmente. Donc clairement, on contrôle ceux qui méritent d'être contrôlés et on fait confiance à ceux qui méritent notre confiance. Vous ciblez, c'est ça le mot. Et vous parlez d'un temps de dédouanement. Vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple, sur un camion de fruits et légumes qui arriverait Alors aujourd'hui, hormis dans certains cas de protection, par exemple phytosanitaire, qui pourrait arriver de manière conjoncturelle en fonction de crise, on dédouane aujourd'hui un conteneur à Port-Vendres ou un camion à Saint-Charles en moins de 6 minutes. En moyenne. En 2004, on était à 13 minutes. À titre de comparaison, les exportateurs de vin de la région se plaignent qu'en Chine, il faille 3 semaines pour dédouaner un conteneur de bouteilles de vin dans le port de Shenzhen, par exemple. La douane, à ce titre, est donc devenue vraiment un outil de compétitivité pour les entrepreneurs. Alors totalement. Toutes nos procédures, qui sont d'ailleurs des procédures communautaires et reconnues à l'international, sont des procédures de facilitation qui permettent la compétitivité. Je citerai un exemple. Quand vous avez le statut d'exportateur agréé, par exemple, alors là, ça fait appel à des notions un peu plus techniques, mais les professionnels et les opérateurs comprendront, vous avez d'office, règle sur la facture, la certification de l'origine préférentielle France. Ce qui est extrêmement important, parce que dans la procédure antérieure, il fallait avoir l'authentification par la chambre de commerce d'un document qui lui-même allait être expertisé dans le pays de destination, alors que là maintenant la facture suffit. Donc pour ça c'est à la fois un gain de temps et un gain d'argent, puisque le certificat d'origine il était payant à l'époque, alors que maintenant tout ça n'entraîne aucun coût superfétatoire. C'est un partenariat donc avec les entreprises, et d'autant plus vous êtes un service public gratuit, il faut faire appel à vous, c'est ça que vous dites un peu aujourd'hui? Alors il faut faire appel à nous, il faut avoir le réflexe douane. Notamment à l'exportation. Nous avons à notre disposition un réseau d'attachés douaniers dans les ambassades de France de 23 pays, qui en général, ces attachés douaniers ont des zones de compétences élargies aux pays dans lesquels ils sont domiciliés. Et donc ça nous permet d'être implantés en fait dans entre 65 et 70 pays dans le monde. Et pour Saint-Charles, par exemple, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les responsables du marché, nous sommes implantés au Maroc, ce qui a été fort utile très récemment dans les négociations entre les exportateurs de tomates et le marché Saint-Charles, pour faire de l'intermédiation, de la facilitation, des fois ne serait-ce que lever des quiproquos qui peuvent durer des semaines et des mois, ça permet de régler pas mal de problèmes. Notre attaché douanier à Sofia en Bulgarie est compétent sur la Turquie. Je sais que c'est un pays actuellement qui est particulièrement d'actualité sur le marché Saint-Charles. Notre attaché douanier à Moscou est compétent sur toute la zone du Caucase, Ukraine compris. Ça fait partie des relais qui peuvent jouer, puisque nos attachés douaniers sont dans les missions économiques, peuvent faire un travail complémentaire à Ubifrance par exemple. Et on voit bien que le réflexe douane de ce point de vue-là, il n'est pas encore totalement efficace. Donc je ne doute pas qu'il va s'améliorer très prochainement. Donc vous écoutez, on a bien compris que la douane a pris la mesure du défi de la régulation des échanges, de la modernité, de l'informatisation. On sent que vous êtes vraiment là prêt à aider les entreprises à aller plus vite, à fluidifier le commerce. S'il fallait résumer toutes ces évolutions en un mot, quel serait-il finalement, Jean-Michel Pilon? Alors, en un mot, c'est effectivement la procédure d'opérateur économique agréé que les Allemands utilisent d'ailleurs avec beaucoup de succès, notamment en direction des PME. Et c'est pour ça qu'on s'est doté d'un plan PME. Dans cette région, notre action vis-à-vis des PME est primordiale, puisque le tissu économique fait qu'on a quand même face à beaucoup de PME. Je dirais aussi qu'il y a le guichet unique,
qui est important, qui est quasiment abouti, c'est-à-dire qu'un opérateur, importateur, exportateur pourra en une seule fois dire qu'il a tous les documents nécessaires au dédouanement, parce que n'oubliez pas que quand il y a un contrôle phytosanitaire, on dit la douane bloque la marchandise, alors qu'en fait le contrôle phytosanitaire il dépend pas de la douane, il dépend d'autres administrations comme la direction de la protection des populations. Donc si ces certificats sont donnés, qu'on sait que les opérateurs les détiennent, on peut libérer la marchandise. La troisième chose, c'est, je dirais, c'est la sécurisation. On sécurise leurs opérations pour éviter d'avoir des déboires sur le triptyque qui fait le dédouanement, valeur, origine, espèce. Et ça aussi, les opérateurs le savent bien. Et je dirais que, en même temps, il ne faut pas oublier que la douane est une administration communautaire depuis 1965, depuis le marché commun, et qu'en fait, nous-mêmes, douaniers, sommes en compétition avec les autres administrations douanières pour pouvoir conserver le dédouanement à destination de la France sur le territoire français. Donc on a une vraie obligation, nous-mêmes, de remise en cause, d'informatisation, de gain de productivité, dont profitent. Donc nos destins sont totalement liés, et en particulier ici à Perpignan, entre le marché Saint-Charles et la direction des douanes, pour le marché Saint-Charles avec lequel les relations se sont beaucoup améliorées ces dernières années par un dialogue des plus constructifs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Michel Pilon de nous avoir reçus chez vous. Je répète, vous êtes directeur régional des douanes de Perpignan. Merci beaucoup d'avoir reçu Saint-Charles International dans vos murs. Merci. C'est moi qui vous remercie.